Salut à tous, c'est Goku la chaise. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay C'est avec le parti. meilleur tier 7. Donc meilleur tier 7 T29. Pour ma part, je sais pas vraiment, j'y mettrais peut-être pas meilleur tier 7 sur la tête, mais c'est vrai qu'il est très bon. Voilà. Après, il y a d'autres tier 7 qui sont vraiment pas mal non plus, le Yes. Il y a quoi d'autre? Bon, la MXM445, c'est pas la peine de le citer. Parce que bon, hein, comme le sait, hein, c'est du papier. Pour les Chinois, je sais plus trop c'est lesquels les lourds, mais ils ressemblent un petit peu près aux Russes, hein, puisque de toute façon, c'est à peu près du copier-coller avec les Russes, les Chinois. Et les Japonais, bon, bah ça, les Japonais, on peut pas en parler. Les lourds anglais, le Black Prince, c'est plus vraiment ça, parce que du 152 mm pour un tier 7, c'est plus vraiment énorme. Pour le Churchill 7, qui lui était un tier 6, du 152 mm, c'était vraiment pas mal pour un tier 6. Mais pour un tier 7, voilà, c'est plus très, très, très bon. En plus, il est très facile à percer si on sait bien tirer sur le Black Prince. Donc le T29 est pas mal. C'est vrai qu'il est pas mal. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur pour moi. Je n'arrive pas vraiment à me décider si c'est vraiment le meilleur. Mais ça fait un moment que je l'ai revendu, hein, pour avoir le T28 prototype, parce que j'avais plus beaucoup de sous. Et en fait, le T29, j'avais joué depuis vraiment longtemps, il est extrêmement bon. C'est vrai qu'il est très bon. La tourelle est... Pff, la tourelle, on peut rien dire. Attention, la dernière tourelle, hein, voilà, elle est impénétrable face, bien sûr, hein, elle a un point faible, l'espèce de petit hublot, enfin... moi j'appelle ça le Koopa. Moi j'appelle ça un genre de Koopa de juif, sans critiquer les juifs, hein. C'est souvent là que ça tire, hein. Enfin, les ennemis vont souvent nous tirer là parce que c'est là que ça perce. Le bas de caisse, je vous conseille de jamais le montrer parce que je sais plus du combien c'est, du 100 mm, du 102, 102 ou 105 mm, je crois, la caisse. Donc c'est vraiment pas, hein, voilà. Bon, c'est voilà. Si vous avez un T29 en face de vous, et que vous avez la possibilité de lui tirer dans son bas de caisse, allez-y à cœur joie parce que ça percera. À moins, bon, c'est sûr, si vous tirez à l'arrache, comme je vais bientôt le faire, vous allez voir, ça ricochera. Mais sinon, si vous tirez vraiment bien dans le bas de caisse, ça passera. La tourelle, il faudra quand même un petit peu plus de précision. Donc là, vous voyez, hein, de face, ça perce pas. Donc, la pénétration, je disais, la pénétration du T29 est très bonne pour un tier 7. Les dégâts sont très bons pour un tier 7. Le seul petit problème, c'est que ce canon-là, on va le retrouver malheureusement sur toute la fin de la branche du T32. Le T32 n'a pas de nouveau canon, en fait. Normalement, hein, quand on change, quand on va passer à un char supérieur, on va bénéficier d'un canon supérieur. Malheureusement, avec le T32, ça ne sera pas le cas. On va se coltiner, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, le canon du T29, parce que le canon du T29 n'est pas fait pour du tier 8. Hein, voilà. Voilà, vous voyez que ça rebondit vraiment pas mal. Hein. Si on peut dire, petite comparaison avec le M6. Il y a vraiment une énorme différence avec le M6. Quand on passe du M6 au T29, des fois on se demande si on s'est pas trompé de branche. Parce que bon, du T1 Heavy, on passe au M6, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Mais après, le T29, c'est une de ces différences monstrueuses. Même le KV1S, quand on va passer du KV1S au Yes, il n'y a pas une telle différence que ça. Que là, vraiment, c'est surprenant de passer du M6 au T29 comme ça. Autre chose que je voulais dire, j'ai acheté le T28 prototype, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, bon, avec le 90 mm, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu pris un petit peu d'expérience libre que j'ai d'un peu de côté pour le 105 mm du T28 prototype. Hein, ceux qui l'ont vont savoir de quoi je parle. Le 105 mm est à peu près le plus abordable quand on peut pas se permettre d'avoir le 120 mm. Et le 105 mm du T28, c'est tout simplement le canon du T29. Et vous allez vous rendre compte, vous allez même avoir un aperçu de ce que c'est avec le T32. Et attention, parce qu'avec le T28 prototype, le canon du... Bon, quand vous regardez dans la description, c'est pas marqué. Voilà, là j'ai rebondi sur le...
sur l'avant du T29, hein, mais c'est parce que je me suis pas vraiment penché. Donc je disais, le canon du T28 prototype, c'est du 105 mm, il s'appelle exactement pareil, sauf qu'il a marqué AT ou AP, un truc comme ça, mais sinon c'est exactement le même. La pénétration, les dégâts, c'est le même calibre, tout, mais il est meilleur, il a plus de pénétration et il a un temps de rechargement beaucoup moins long. Et c'est déjà pas facile de jouer avec en T28, parce que bon, en T28 on va tomber contre du tir 8 et même avec du tir 9, 10, et croyez-moi qu'avec ce canon là on perce pas grand chose. Donc imaginez-vous avec un canon avec un peu moins de précision, du temps de rechargement en plus en tir 8 avec le T32. Vous allez voir, voilà, je vais l'acheter le T32, je vais l'acheter. Je vais même essayer justement de prouver ma théorie que le canon méritait d'avoir un nouveau canon en fait. Je pense pas avoir tort. Après, peut-être que vous allez me dire que le canon est peut-être bien. Je pense que le temps de rechargement est peut-être un petit peu moins long sur le T32. Mais la pénétration, c'est toujours la même. Et malheureusement, contre du tir 8, c'est léger, quoi. Contre du tir 7, c'est tout à fait potable, hein, contre du tir 7. Hein. 198 de pénétration qui peut aller jusqu'à du 230, je crois. Bon, ça va pas souvent jusqu'au maximum, hein, c'est à peu près dans la moyenne que ça va. Mais sinon, c'est très bon. Hein. Sinon, pour un tir 7, c'est très bon. Mais voilà. Le seul problème qui m'agace, c'est que le canon ne change pas pour le T32. Sinon, le T32, bah, malheureusement, a à peu près les mêmes défauts que le T29. Une bonne tourelle, mais encore une mauvaise caisse, hein, c'est ça le problème, quoi. Sinon, le T29, hein, en lui-même est extrêmement bon, hein, comme je le répète. Mais comme là vous venez de le voir, j'ai essayé de sniper avec. Bah, c'est pas la peine. N'essayez pas de sniper avec. J'avais fait un replay avec le T29 il y a un moment, et j'avais essayé, bah, justement de sniper. Et voilà. Mieux vaut, voyez, mieux passer au front, quoi, parce que je sais pas si vous avez remarqué, hein, beaucoup ceux qui jouent à World of Tanks ont certainement remarqué, il y a souvent en général les maps, on a toujours un côté un peu plus snipe pour les chasseurs de chars, pour les moyens, les légers, et on a plus une partie pour les lourds où on va s'en mettre plein la gueule, on va attendre que l'autre aille tirer pour pouvoir passer notre nez et lui en coller une, tout ça. Bah, le T29, c'est sa place. Voilà. Le T29, c'est là qu'il faut qu'il se mette. Parce que bon, pour sniper, c'est pas la peine. Donc vous pouvez voir que j'ai eu 33 868 de crédit et 2354 d'XP. J'étais pas en premium, mais c'était doublé pour la première victoire de la journée. J'ai eu l'autre, je sais plus trop ce que c'est, l'autre. Mais l'autre, c'est, bah, gros calibre. Et mur d'acier. Donc il faudrait peut-être que vous m'éclairez sur ce mur d'acier là, parce que vous allez voir dans les autres résultats que je ne vois pas. J'ai fait. Alors attendez, je regarde. J'ai reçu 7 tirs. Il y en a 2 qui ont pénétré. Et il y en a 5 qui n'ont pas pénétré. Alors je voudrais vous poser la question, est-ce que 5 obus non pénétrants nous permettent d'avoir une médaille mur d'acier? Je ne pense pas. Donc je pense, en fait, j'avais déjà entendu parler de la comptabilité des ricochets ou des non pénétrants sur les chars. En fait, le jeu compte simplement les ricochets, mais du devant, en fait. Tous les obus qui sont arrêtés par le bas de caisse avant et par la tourelle avant sera compté. Mais si c'est des obus qui vont écocher un petit peu sur le côté de la tourelle, ou un petit peu sur le côté, ou alors le tir qui va endommager juste la chenille, mais qui va pas percer, je pense que ceux-là ne sont pas comptabilisés réellement, mais ils sont quand même là pour nous offrir le mur d'acier. Je crois, hein, que c'est mur d'acier, je pense, hein, que c'est mur d'acier. Hein. Peut-être que je me trompe, mais je suis quasiment sûr que c'est mur d'acier. Vous pouvez voir que j'ai, bah, fait 3387 de dégâts. Vraiment pas dégueulasse, hein, vraiment. Bon, après, d'un autre côté, avec du 300 et quelques de dégâts en moyenne avec le T29, c'est tout à fait faisable pour un tier 7. Donc voilà. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Je bavarde. Vous me direz dans les commentaires, hein, à peu près, bah, si vous avez d'autres choses à redire sur ce char-là.
Mais bon, voilà, le seul petit truc hein, que je re-répète pour une unième fois, c'est simplement le canon qui sera exactement le même pour le T32. Voilà, sinon le T29, lui, est très bon dans l'ensemble, à part bon, le bas de caisse, mais ça, c'est quand même. C'est un peu secondaire parce qu'avec un petit peu de jugeote, on peut mettre plus en évidence sa tourelle que sa caisse. Voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu, et moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut!